Salut à tous et bienvenue sur Saintos TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reportage sur la semaine de l'Europe. Et c'est d'ailleurs Jean qui va s'en charger. Jean, où es-tu? Ah, on m'annonce qu'il est revenu. À toi. Ouais Louis, je t'entends. Alors voilà, c'est bon, j'ai préparé mon reportage et voilà ce que ça donne. Show me to a higher place. Take me to outer space. Outer space. I want you to be my friend. Alors, je me trouve dans les locaux du collège Saint-Austrobert et il se passe quelque chose d'assez particulier cette semaine. On va demander aux élèves. Je suis déterminée à trouver quelqu'un qui sait ce qui se passe cette semaine à la cantine. On va aller voir Malo, notre ancien figurant. Hey, Malo, écoute-moi. Oui. Est-ce que tu sais ce qui se passe cette semaine à la cantine? C'est la semaine du monde. Ouais. Hé hey, les filles, il se passe quoi cette semaine à la cantine? Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la semaine de l'Europe? Pas vraiment. Bah, regarde ça, on va t'expliquer. Et oui, cette semaine, c'est la semaine de l'Europe. Et l'Europe est une union qui est constituée de 28 États qui a connu sa fondation en 1957 avec le traité d'Europe. Alors les filles, vous n'avez pas voulu en savoir plus sur l'Europe, c'est pas grave. Alors la semaine de l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité d'un pays et la cantine vous en propose plusieurs par jour. Alors on va passer au lundi 23 mai, c'est le jour 1, menu numéro 1, c'est le menu suprême. Dis-moi que tu l'aimes. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. Alors pour aujourd'hui en entrée, c'est de la pizza au fromage et du pesto chèvre d'Italie. En viande, c'est du roast beef d'Angleterre et de la paella d'Espagne. Pour les légumes, c'est du penne et des épinards à la crème. Et en dessert, c'est de la salade de fruits et des yaourts. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Alors, est-ce que vous aimez la pizza? Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo. All'ultimo secondo, volerei da te da me. Je veux un jour numéro 2, donc c'est le jour numéro 2. Je veux un jour numéro 2. Alors pour aujourd'hui en entrée, c'est des carottes, des champignons à la grecque et une soupe minestrone d'Italie. Les viandes, c'est du poulet basques de France et des escalopes milanaises d'Italie avec du riz. Alors pour les desserts, il y a du Paris-Brest, des éclairs au choco et des fruits. Bon, là c'est le jour 3, mais c'est pas dans la chanson. C'est le jour 3, celui qu'on retient, celui. Alors pour aujourd'hui en entrée, il y a du taboulé d'Espagne, une spécialité allemande, du souplé à la mimolette de Hollande, en viande c'est des spaghettis à la carbonara d'Italie, de la moussaka de Grèce, pour les légumes c'est des spaghettis et de la salade, et en dessert, il y a du crumble aux pommes d'Angleterre, du bavard au bois d'Allemagne, du tiramisu d'Italie, et de la crème au beurre salé de France avec des fruits. Là, je suis bien embêtée parce que c'est le jour 4 et c'est toujours pas dans la chanson. C'est le jour 4, celui qu'on retient, celui. Alors aujourd'hui en entrée, c'est de la Macédoine, du radis et des concombres. En viande, c'est de la saucisse, une spécialité allemande et des moules de Belgique. En légumes, il y a des frites et une poulie méridionale. Et en dessert, c'est du yaourt, des fruits et une spécialité allemande. Kartoffeln. Nenzalat et du ratkruste et il y a aussi du bon, clairement j'y arrive pas. Alors là je suis avec Louis. Alors Louis, comment t'as trouvé la semaine européenne? Bah c'était bien manger européen, ça a changé et puis c'était cool. Ce reportage est maintenant terminé. Merci Jean, tu nous as fait découvrir les coulisses de la cantine et de la semaine de l'Europe. Donc moi et Jean, il reste plus qu'à vous dire ciao.